clairait bien où c'est lui Miassou. Et n'a dit à tout ami internaute et ami de partout, et sur les lans, n'a beau lumière et paix à chacun de vous. Amen. 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 Nous disons béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Et nous bénissons pour ça, qui va nous sacrer privilège pour nous capables encore une fois, 27e journée, qui c'est le dernier dimanche de mois, pour nous capables de privilège pour nous partager ensemble. Morceaux de Saintes Écritures pour nous capables d'édifier ensemble. Nous devons dire merci pour ça, bien aimé. Et tout de suite, nous avons fait un rapide coup d'œil et écouté nos jeunes thèmes, nous. Et ma épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11, cette parole l'a dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et mes bien-aimés, automatiquement nous avons une instruction ça, eh bien, nous venons, il y a nous dit, il y a un soldat de Christ. Mais il y a un adage qu'on a toujours répété, si le monde ne peut pas entrer dans l'armée, le monde ne peut pas entrer dans l'armée. Donc, on a dit que nous avons une bataille. Il faut nous rester debout pour nous gommer. Parce que ben là, c'est son roumenier, c'est son véritable combat. La vie chrétienne en elle-même, c'est son perpétuel combat. Et là, nous regardons verset 1, nous avons chaque pièce dans l'armure, nous continuons, bien aimé. Et vraiment, nous avons des combats la vie, et chaque pièce, ça, nous avons bien utilisé. Et dans autant côté que n'a gain pour qui côté nos nécessités autant convenable n'a gain pour utiliser. Et j'aime ta dit nous la première fois nous te font intervention on t'a dit nous t'a passé faire une subdivision des armures j'aime bible la fait là et pas nous fait j'aime bible la fait là et il dit nous c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et puis, il parle de faire toutes sortes de prières. Prière, cela, avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Donc, nous avons des devoirs pour nous prier parce que et apôtre là prend soin pour lui les nous saints. Que nous n'avons pas n'importe qui avec ça qui vient à mon âme. Mais j'ai noté, mettez accent en phase dernièrement, noté donc chaque segment, chaque outil, chaque pièce dans l'armure, yo compté, yo chaque segment ça, yo, pour compte pas, yo, yo représenté, yo thème de l'éleveur, présenté, yo message à yo même. Maintenant, tout comme bouclier de la foi, tout comme cuirasse, tout comme zèle que donne l'évangile, tout comme le casque du salut, le paix de l'esprit. Maintenant, nous t'avons justement éterniser nous et intensifier et faut nous, on t'a dit, centrer et méditation nous sur le cuirasse, sur la cuirasse de la justice, qui symbolisait une partie de l'armure. Et l'aimons garder. Parce que quand tu voyais un soldat, tu te voyais une photo pour nous, côté que vraiment photographe là, dessinateur, et bien, il était prêt pour lui identifier chaque
parti ça. Ouais, on a fait une recherche par nous tous. Ouais, et bien, et bien, amis, nous, qui reste ça, qui ça qui fait partie de l'armée, hein, et c'est un parti qui recouvre et qui protège le bus des côtés humains. Et côté matériel, c'est un revêtement d'acier qui protège les chars et les navires de guerre. Maintenant, Nabdi, en quoi un tel revêtement capable de protéger nous en tant que chrétiens? Eh bien, là, on a parlé de cuirasse, la cuirasse de la justice, mes bien-aimés. Nous, c'est un bagage qui joue un rôle prépondérant dans la protection civile d'une nation. Et si la Bible en elle-même lui reconnaît que la justice élève une nation, l'injustice est la honte d'une société, bien aimé, cela veut dire que nous ne pas qu'à passer sous silence sur tel segment côté que l'injustice a taillé bandat, côté peuple mondial a souffri, côté le monde en ébullition à cause de l'injustice. Et ça crée, c'est l'injustice qui crée en pile gloire, en pile mécontentement, en pile haine qui caractérise les sociétés nous aujourd'hui. C'est l'injustice. C'est une question la raison du plus fort. C'est une question droit de l'homme fait pour partie. Ou l'autre même accroupi sous les verrous qui dans la misère pas plus loin. Et tout dernièrement un gros homme politique, un puissant chef d'État qui a fait affaire avec la justice, nous avons toutes précautions qu'a prend comment monsieur a mené balle avec tout ça juste pour éviter un éclatement social dans le temps des classes politiques, etc. Et si nous avons arrivé dans le tribunal, nous avons regardé comment dans le pénitentiaire, nous avons regardé comment on vit au-dessus de tout le monde, comment la juge corrompu, comment la justice démesurément avance, comment l'on allait dans le pénitentiaire, son catégorie de nègres ou à Capcopi dans la prison, on sait de l'autre qui est intouchable. Parce que yon gen nou, yon gen place nan sosyete a, yon okipe le sommet de l'edifice sosyal, pa gen justice. Yon men particulièrement, kote nan pale avek ou, bolakay pa gen sa, et sa kwen gen de fwa yon di kote nan plume pou l'pari, si gen kèp kote avek kap fè grandilokans, kap pale de la justice sosyal, kap etc. Men bolakay pa nou sa bani, nous sans asile, nous sans protection. Dieu instrumentalise nous. Nous n'avons pas de justice qui nous a parlé maintenant. Et tant que chrétien, dans le thème côté nous, ce n'est pas seulement institutionnel, mais les gens qui ont fait mon injustice, dans le monde qui ont côtoyé chaque jour, tout à fait passé, peut-être taille soi-disant du protestant. Nous pas besoin d'où misère qui s'est mise à passer. Parfois, mon ancien chrétien, les monde qui l'a côtoyé, qui a vécu, qui a travaillé, qui a soi-disant dit, protestant qui lit sa justice, bon Dieu représenté, c'est cruel cœur. On se monde qui compte prier, on se monde qui a demandé justice, on se monde vraiment qui avec la Bible en main, qui vient de boussole en main. Je veux dire, si tu as sorti quelques soi-disant du protestant, pour avoir quelques ressortissants peut-être qui réussit dans le programme, il y aurait le programme Biden, pour avoir mis peut-être quelques frères qui ont passé quelques protestants et pas n'importe quel peuple. Mon cap travail la caillou. Ils sont victimes tout le temps de l'injustice. Au monde qui a crié haut et fort, la justice élève une nation, c'est nous-mêmes. Ça nous dit, c'est pas ça nous pratiquer.
Jésus-Christ vient pour lui mettre en frein devant toute injustice, ça, injustice sociale. Bon côté, la Bible dit, c'est pas parodie de justice qu'on a fait, c'est pas montrer que n'a pas justice, mais faut qu'il palpable, faut que tout le monde kawé, nous c'est pas pour justice pas nous, mais nous justice la fait de manière équitable. La Christ dit dans Matthieu chapitre 5 verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, les qui sont soi-disant chrétiens, ou Sarwab Diabouchou, et puis un vous prouvez le contraire, donc, ou pas seulement à faire une victime, injustice, mais ou même tout, ou bon côté, ou pas bloqué. Et ça, Jean Bibladia, il n'est pas facultatif. Si vous faites l'injustice, vous n'entrez point dans le pays côté bon Dieu. Par mes bien-aimés, la justice est notre bouclier, notre protection. C'est ça, son verbe, fait nous comprendre. Il dit nous comme ça, c'est la justice que la première, il faut que son justice intérieure. C'est une exigence que bon Dieu fait nous, pour que nous marchions dans la justice. Il nous demande d'être juste dans les moindres choses, juste dans les affaires, dans nos entreprises, dans notre travail, nous. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, ça veut dire que si nous marchons avec mon Dieu, si nous suivons Jésus-Christ, ça veut dire que nous ne pas nous comporter comme des pharisiens. Le monde, ça, c'est des mondes qui ont attaqué Jésus. Donc, si vous arrivez avec toute national ça on a même on va faire injustice ou pas besoin ouais comment abuser les grands parce que les qui ont son citoyen on paraît devant monde c'est même déjà avec un policier qui a l'arrêt au monde déjà avec ça on a mis note c'est vraiment et pression sous déjà banni monde et puis on a là l'offre il a arrêté nous maîtriser et puis on va faire l'abus encore. Bien, c'est même genre, Christ m'a dit nous, pour nous juste envers le monde qui nous a côtoyé, et puis c'est pour bagaille qu'on a fait avec apparence. Et bien, même genre adversaire, lui-même qui a toute puissance, qui a tout pouvoir, ça en a même nous, la plein piège. Et bien, c'était comme ça, il était utilisé le pouvoir qu'elle était gagné, la plein piège pour éprouver Jésus. Et de fait, les pharisiens, ils étaient des opposants farouches de Jésus. Les scribes, ils étaient, ce sont des grands éditorialistes qui t'ont frappé l'estomacio, qui t'ont écrit dans les grands journaux, des grands écrivains, des hommes de loi. Ils ont frappé l'estomacio, ça y a dit et pas ça y a fait, qui étaient opposés également avec Christ. Vous t'as imaginé. Ils avaient en eux une certaine justice, ou t'as ouais, qui quantité de service, ils ont appris une société. Mais je dis à vous-même qui avez toutes les âmes dans le ou même qui avez la vérité dans le ou même qui avez, soi-disant, qui avez le Saint-Esprit qui a fait nous éclairer, qui avez la parole, qui avez le zèle qui donne l'évangile. Parfait pour, ou t'as supposé un monde des notables, des mondes qui ont inspiré confiance. Des mondes qui ont si bon jugement qu'a fait, ben, elle n'a pas besoin d'aller devant les tribunaux, elle a besoin de réunir nous, et puis entre deux responsables, mondes qui sont respectables et respectueux dans la société, et puis ils ont délibéré. Mais je dis, ce n'est pas ça qu'a fait. Même en dans le comité, il y a des parodies de justice qu'a fait. C'est abus d'autorité. Donc les scribes avaient une justice extérieure,
soi-disant dit, il y a une moralité extérieure. Mais en dedans, c'est des cailles coulées qui ont pris le soleil. Il lui m'a dit le matin pour nous juste. Et c'est ça que je vous dis, nous souffrons en pile. Parce que la Bible dit la prière du juste. Lorsque vous effectuez prier ça, la prière du juste, faite avec véhémence, a une grande efficacité. Donc, je vous dis, en pile fois, nous prions, nous pas joindre le résultat. C'est parce que nous sommes injustes envers nous-mêmes, envers confrères nous. Nous sommes injustes avec ça n'a fait et de nous arriver devant mon Dieu. Mon Dieu n'est pas capable d'exaucer nous parce que l'injustice là arrive trop loin. Nous entrons dans trop combine. La société a souffri à cause de l'injustice. Nous. L'évangile et la prêchée n'est pas capable de pacifier la société. A. Mais nous parler, pas tellement des monde qui tendent nous. Parce que Zap nous différent de ça n'a pas. Si nous regardons dans toutes les médias sociaux, nous avons dans qui combine l'église entrée. L'église presque pas fait différence entre le monde qui a fait injustice avec ça qui était dit comme autorité morale. Nous ratons mission nous. Dieu nous demande d'avoir une justice qui surpasse les scribes et les pharisiens. Dans ce travail-là, quand on a dégagé nous, pour pas faire pour nous, dans ma gouille, fait 0,9, au détriment de même leur patron a gagné, tout ce qu'elle gagne en tant que richesse, ou même avec les peu que vous gagnez, on a dit que ce n'est pas rien pour entrer dans la combine pour faire des choses malveillantes. C'est injustice ou fait tout. C'est pas parce que lui placé au-dessus avec toute richesse lui qui fait ça ou rien, c'est pas rien. Donc, si la prêchons l'évangile, il faut nous prêcher la partie de nos actions, de notre comportement pour accéder au royaume des cieux. C'est ça que Christ dit. C'est que si nous pas juste, alors, impossible. Donc, il faut nous faire preuve d'une justice supérieure à celle des scribes, à celle de ce monde. Les scribes et les pharisiens étaient contentés de grandes cérémonies religieuses. Et celles-ci leur procuraient, peut-être ils étaient pensés une purification extérieure, mais ils n'ont pas gagné, ils étaient un rituel, mais ce n'est pas de mal qui a changé qu'eux. Jésus nous demande d'avoir un cœur nouveau. Notre justice doit être réelle. La seule justice que Dieu accepte, c'est celle qui impute. C'est celle qui reconnaît son fils Jésus-Christ. C'est pas ça qu'a... Bon Dieu lui-même il était déjà imputé la justice là, Jésus-Christ. Bon Dieu lui demande nous pour nous participer à la justice. Parce que là où est la vraie justice, foi Christ, Seigneur, c'est ça, armement que vous gagnez, il faut qu'on qu'il est pour utiliser la défense défensive, offensive. Jésus-Christ décrit nous, une vie de justice. Dans les sermons sur la montagne, il fait référence avec justice. J'ai qu'il a demandé papa pour lui rentrer, pour le mettre nous. Un petit mot des affaires. Je veux dire, à cause de l'injustice, nous souffrons. À cause de l'injustice, nous vraiment perdus. Mais la Bible, passée par travers l'apôtre, Jésus-Christ dit, revêtez-vous la justice, la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, Jean-Bible a fait nous comprendre, non, c'est une cuirasse qui vous protège des accusations du diable. Et du même coup, essayez de vous maintenir captif. Dans le matin, la justice de Dieu est une cuirasse.
symbole ça qui apporte l'employé Paul, lui mettait en scène la tenue des soldats romains pour l'expliquer nous aujourd'hui comment nous-mêmes nous comporter nous étant que soldats de Christ. C'est ça que fait la Bible utiliser une autre image pour parler nous de la justice comme étant organe vital. La justice, c'est une protection. Je veux dire, nous tellement injustes. La justice vient par une cure à son corps. Mais le symbole de justice là, nous présentons comme avec une femme qui a des yeux bandés, qui paraît qui est pour faire discrimination. Mais Esaïe était en fait différence là dans Esaïe 64, verset 5. Esaïe était décrit une bandoule, ça, je dis, qui pas représente une cuirasse, il vient souiller. Esaïe 64, verset 5, Esaïe va dire, nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emporte comme le vent. Donc la justice qui peut nous protéger est celle que Dieu nous offre dans sa grâce, et dont nous pouvons nous revêtir gratuitement par tous son péché, son péché et son privé de la gloire de Dieu. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est qui pas fait mon abus, n'est qui pas fait mon injustice. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, de Corinthiens 5, verset 21. Et bien, nous avons compté pour nous faire meilleur culpa, pour nous garder, pour nous justifier combien de monde nous a fait justice, combien de monde nous a fait abus, pour nous demander à pardon pour être capable de recevoir offrir de nous, de nous prier. Sinon, on a marqué le pas sur place. Nous avons pile de bons exemples dans la Bible. David péchait. David commet, ou David transgressait la loi divine, lève que les points Uriah. Dit que madame soldat lui qui était dans l'armée qui a bataille pour défendre le peuple d'Israël. Nous connaissons bah là, David Bral tué lui, elle finançait madame lui. C'est ça que David Bral écrit Somme 51 pour demander pardon. Son Somme David écrit pour demander pardon après avoir quelque fait le péché. Mais malgré tout, David joue un pardon quelque part, mais ça n'a pas empêché de payer ça le faire. Injustice qui fait à lui payer. Famille David décrié, il est tombé dans un cesse en plein midi en Israël. Et David dit oui, mais qu'on aime péché. Dans Somme 51, on va regarder dans verset 5 et 6. David a dit, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais mes frères qui peuvent faire ressortir justice là, mais en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Demander pardon, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que l'injustice là, il était impuni. Donc maintenant, pour bien la cuirasse de la justice, mais Dieu c'est vous pour protéger cœur et pour délivrer nous de tout sentiment de haine, d'hypocrisie, de culpabilité. C'est ça, Jean t'a dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Notre assurance repose non sur notre propre justice, mais sur la justice de Dieu. À vous de prendre soin de votre cœur et de vous protéger maintenant en vous inspirant de la justice de Dieu qui met à votre disposition une cuirasse
à vous de la revêtir. Parce que si vous pas revêtir cœur de cuirasse de la justice, mais cœur qui a vu le sourire, n'importe vieille idée qui a rentré pour proférer des paroles de malédiction. La justice, c'est celui qui a protégé. C'est celle que Dieu nous offre. Maintenant, mes bien-aimés, vous venez pour nous réfléchir sérieux. Vous dites à la justice, l'injustice fait créer trop d'offenses. Pour nous cacher de la justice, impressionner le monde, pour faire n'importe quoi, pour faire le monde peur. Pour la justice, balance la ta supposée équilibrée. Je dis à balance, c'est pas pencher seulement le pencher. C'est que l'autre des poids des mesures permettre visiblement la parole. Je dis à des côtés en train de désobéissance civile. Parce que le juge qui a invité là, il n'y a pas de moralité pour ça. Tout le monde contre le monde. Société, le monde, son village global, le monde contre toute activité, le monde contre toute transaction qui fait. Donc, si ça fait que, je dis, il y a toute gêne, ça, il y a toute différence ça, dans la société, c'est pas ça qui crée toute, toute inégalité sociale, ça. Yo. Parce que le monde fait trop abus. Abus d'injustice. Le monde a une bon côté, il y a une justice qui est tête. L'Église, comme institution morale, pas qu'à deux mots. Pour Salomon, comme grande autorité, pour te faire une justice, pour te demander sagesse. Et sagesse, qui c'est une vertu morale que bon Dieu mettait à la disposition de nous. Si le monde pas gagné, d'après la porte de Jacques, mandel, bon Dieu, à Baoul. Mon papa, la justice, injustice qu'a fait dans la famille. Papa, madame, qui a fait injustice, il y en a l'autre, des antimonios. Son famille, c'est signal, ça l'a boué. C'est famille qui compose notre société a, qui résultat escompté ou attendre. Donc société, une société qui est basée sur l'injustice, c'est la gâchis totale. On va gagner en attendre. Et lorsque l'injustice, on va besoin de 20 médailles là. Bon, si toute institution écrasée, institution étatique, institution ecclésiale, institution qui place qui pour bailler le ton, je descends jusqu'à je souviens dans le niveau ça, Jean Isaïe va aller là, donc on n'a pas besoin d'où, donc solution non pas pour demain. Et ceci, c'est nous pas parler comme étant que Jean ça a passé la caille, non, c'est des paroles de monde. C'est ça qui a créé tout éclatement ça. Il y a trop abus. L'usage abusif ça, c'est eux qui ont créé toute différence ça. Pour si la société ne marche pas équilibrée. Il n'y a pas qu'à réveiller pour jouer l'autre bagaille. Affliction perverse. La Bible dit non. On est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et nous considérons également comme la seule âme offensive de la mûre. Et je vous dis à rien en pile à faire. Nous ne connaissons pas combien de temps nous gagnons pour nous passer sous Tessa. On baille Dieu, il y a pile. Et devant quelle que soit difficulté qu'on a rencontré, devant chaque segment, ça y est, c'est un outil
nécessaire qui pour défendre nous. Je dis à par contre devant qui dans qui comboyer chaque monde au combat que la fait face qui besoin d'une âme sérieux pour défendre nous. Mais pour défendre nous, il faut une certaine justesse. Pour défendre nous, il faut être capable d'identifier. Maintenant, on fait recul. On garde, si nous sommes marqués pour nous prier davantage, parce que nous vivons de nos côtés, la fin de toutes choses est proche. Pour nous sommes. Pour nous sages, pour nous vaquer à la prière. Et c'est ça que la Bible va dire nous. Pour nous faire toutes sortes de prières. Mm-hmm. Et que des fois, nous dit, il y a toutes prières, des prières pour renvoyer mon fou, mm-hmm. mon tourné, parce qu'on est au Dibala. Mm-hmm. Parce que pour mm-hmm. résister au diable, pour mettre tout arsenal ça au nom, pour lutter contre la chair et les sangs, contre les esprits, parce que bataille là pas sauvée. Son bataille contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, dès pour monter dans l'atmosphère là, il y a plusieurs couches superposées. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui cachent en l'air, qui empêchent de prier au monter. C'est ça qu'il faut prier davantage, il faut prier. Il faut nous accorder nous. Parfois, la prière, il n'y a pas qu'à dépanner l'autre. Et nous sommes des saints, Jean Apôtre, arrêtez-nous. C'est que vous voulez prier pour l'autre, prier pour les saints. Et pour ça, il nous prend toutes âmes sales. Pour Dieu, mettez-vous à la disposition, nous, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme, après avoir tout surmonté. Faites tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela à une entière persévérance pour persévérer dans la prière, même dans l'affliction, pour prier et prier pour tous les saints. Et de demander, prier pour lui-même tout, que bon Dieu te bat vision, te bat un excellent message. Enfin, les ouvrir bouche pour nous joindre qui choye. Pour nous délibérément pour nous prêcher l'évangile avec adresse pour nous dans le ministère, pour nous parler avec arrogance. Mais je dis, si nous entrons dans toutes sortes de combines, dans l'injustice, nous ne pouvons pas parler avec véhémence, nous ne pouvons pas parler fort. Elle va dire, oh, un tel, non, on ne pouvons pas parler fort comme ça. Parce qu'on a une faiblesse. Oublier, on est ambassadeur qui a crédité le consulat céleste pour prêcher l'évangile. Pour libérer le monde qui n'en chaîne, qui n'en cap subi injustice, ou même tout cap subi l'injustice, qui pral, mettons, qui pral, par exemple, une parodie d'injustice, nous pral font parler dans le couloir avant de nous libérer. Tout le monde qui est en ouais, ça que fait là. Ne sont pas de moralité, on pas qu'à parler avec assurance. Prière ou pas d'efficacité. Ni ou pas chasser avec la prière, il était bien dans un coin tout, il était tendé, j'en bas yot a discuté, depuis avant venu, il était bien contre ça, tu as délibéré. Je vous dis, on vient en pile à faire si vraiment on a besoin libre, de ne pas de condamnation au monde qui a marché avec CEA qui sont Dieu de justice. Je vous dis, on doit veiller. Cela, et ceci avec une entière persévérance et prier. C'est là, nous étions un matin dans toutes âmes offensives, défensives, ou bien dans toute arsenal qui vient dans mon là, qui pour empêcher pour n'importe qui défaite, matin, garder ou équipe qui maintenant qui vient entrer dans l'arsenal ou entrer dans la batterie ou entrer dans toute la salle. Et comme Amélie, regardez, mais qui m'a des faiblesses, c'est que pas qu'à défendre. Renfloué, parce que bataille la ride, et ça fait, et apôtre la main de nous, c'est pour nous capables
chercher, renforcer-nous. Ni la bon dans les difficiles moments, parce que nous connaissons des jours difficiles, et ça nous est beaucoup rien. Et des âmes ou négligées ou à besoin pour vous blesser, pour ne pas quitter ou oublier. À n'importe quel moment, il n'y a pas à attaquer. Gardez pour un bouclier qui n'a pas de petit trou. Gardez pour un qui boit. Qui bon, mettez-vous en forme. Parce que nous avons joué tout qui vise. Nous avons bataille, nous sommes les soldats de Dieu. Depuis que nous finissons, verset ça comme thème, on est que tout le monde pas rentré dans l'armée pour la bataille. Et bon Dieu, bénou, shalom, shalom, bon dimanche et bonne adoration à chacun de vous. Amen, amen, amen.